Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez lu dans le titre, on a acheté un nouveau véhicule, c'est celui qui se trouve juste derrière moi et je vous en parle tout de suite. Mais avant ça, j'ai quelques petites vérifications à faire, notamment sur les pneus. C'est parti! Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, on est au mois de janvier, ça fait une semaine qu'on voyage avec notre camping-car qu'on a acheté cet été. On a pris un petit peu de temps pour faire des rénovations et des améliorations dessus avant de pouvoir partir avec. Il est resté aussi quelques mois au garage pour faire quelques réparations dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors, ce camping-car, on a décidé de l'appeler Ethan. Pourquoi ? Pas parce que c'est un phénomène de mode avec tous les vanlifers qui donnent un nom à leur camping-car, mais tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de dire Ethan que camping-car à chaque fois. Donc quand on discute avec Terry, on dit on va faire ça dans Ethan, on va amener ça dans Ethan, et c'est juste une façon de parler qui nous aide un petit peu au quotidien pour désigner notre petite maison roulante. Alors Ethan, c'est un Himmer B564 de 1994, il a 26 ans, donc il est plus jeune que nous. Alors bien que à l'extérieur Ethan ait l'air plutôt en bonne santé, mis à part ces petites bandes qui se sont décollées, qu'il va falloir que je recolle pour l'esthétique, à l'intérieur, il y a un petit peu plus de rénovation. À commencer par ces magnifiques rideaux et cette sellerie violette d'époque. À l'avant, on trouve aussi cette magnifique boîte faite sur mesure, qui est un vide-poche, plutôt pratique en l'occurrence, mais assorti à la magnifique sellerie. À côté de ça, Ethan a quand même des côtés super pratiques, comme par exemple tous ces placards qui nous permettent de ranger toutes nos affaires, mais aussi un super grand placard avec penderie, un canapé qui se transforme en lit, une cuisine complètement équipée avec plaque, frigo et évier, une salle de bain plutôt étroite, mais avec toilette, lavabo, et bac à douche. Une petite table qui peut aussi devenir une grande table. Des sièges pivotants pour accueillir plus de monde. Et enfin, la chose la plus pratique qu'il y a dans ce camping-car à mon goût, c'est ce lit bien camouflé qui se descend comme ça et qui forme un lit de 140 par 200 et qui nous permet de dormir à deux avec Terry, bien au chaud, avec aussi la petite aération et la moustiquaire pour l'été. Alors, vous l'aurez compris, si on a choisi ce modèle de camping-car, c'est évidemment pas un hasard. Déjà, comme je le disais, ils sont plutôt bien conçus et bien agencés, tout ça dans un véhicule qui dépasse pas les 5,60 m en longueur et un PTAC de 3,1 tonnes qui n'oblige pas à passer le permis poids lourd pour être conduit. Enfin, côté motorisation, il dispose d'un turbo diesel qui lui permet de monter jusqu'à 110 km/h et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal pour un petit moteur de 26 ans. Et puis il faut avouer aussi qu'il a quand même une sacrée bonne tronche. Mais pour que vous compreniez bien notre choix, revenons un petit peu aux origines d'Ethan. Août 2020, nous sommes en pleine pandémie mondiale et après avoir subi un premier confinement de plusieurs mois, un deuxième se dessine tranquillement à l'horizon. Avec Terry, on s'est toujours dit que quand on commencerait à avoir des enfants, on se concentrerait beaucoup plus sur l'Europe qu'on avait pas mal délaissé dans nos différents voyages. Ces deux éléments réunis, on se dit que ce serait peut-être pas mal d'investir dans un vieux camping-car.
C'est un mode de voyage qui nous a toujours intrigués et la situation actuelle qui nous oblige à rester chez nous nous laisserait tout le temps nécessaire pour pouvoir le rénover. Après avoir loupé quelques annonces intéressantes sur Le Bon Coin, on tombe sur l'annonce d'Ethan. Il a tout ce qu'il nous faut, pas trop de kilomètres, un prix abordable et un agencement qui nous convient. Bon, il est pas vraiment à côté, mais il est en France, c'est déjà ça. On file donc le chercher dans une petite ville près de Lyon et c'est le coup de cœur, on l'achète et on repart avec sur Paris dès le lendemain. Malheureusement, quelques jours seulement après être rentré, je constate une fuite de liquide sous le moteur qui m'a l'air assez inquiétante. Finalement, rien de très grave, mais quand même une durite à refabriquer et à remplacer qui l'immobilisera plus d'un mois au garage. Alors ça saute pas forcément aux yeux dans la vidéo, mais il nous a pas fallu très longtemps pour comprendre qu'Ethan aurait besoin de beaucoup de réparations et de rénovations afin qu'on s'y sente comme chez nous à l'intérieur. Le plus urgent selon moi, retirer les deux antennes TV présentes sur le toit. Alors la première antenne, c'était une antenne hertzienne qu'on a retirée, on n'avait pas du tout l'utilité. Le problème, c'est que ça a laissé un gros trou dans la carrosserie qu'on doit reboucher aujourd'hui. Et il y a une deuxième antenne qui est une antenne parabolique qui a été installée par l'ancien propriétaire. C'est pareil, on va pas du tout s'en servir, donc le but c'est de la retirer parce que ça prend quand même pas mal de poids sur le camping-car. Le but c'est de l'alléger au maximum. Et aujourd'hui, nous, même si on veut regarder la télé, on a les réseaux 4G, etc. On peut regarder sur nos téléphones. Donc on va retirer ces deux antennes et c'était la priorité sur Ethan. Alors vous vous doutez bien que ce genre de travaux est beaucoup plus facile à imaginer qu'à réaliser. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à sous-estimer les tâches qu'on doit accomplir, aussi bien en termes de temps passé que d'efforts fournis. Alors, bien entendu, aujourd'hui, après avoir démonté les deux antennes, je suis hyper content qu'elles soient plus là. Mais si j'avais su le temps que ça allait nous prendre, j'aurais priorisé des rénovations à l'intérieur des TAN plutôt qu'à l'extérieur. Pour le rebouchage du premier trou, étant donné qu'il était parfaitement droit, on a décidé de découper un cylindre directement dans du polystyrène et c'était plutôt une bonne idée. On a ensuite colmaté avec du silicone en prenant bien soin de reboucher aussi les trous des vis et en attendant de pouvoir refaire un mastic propre, on l'a bien protégé de la pluie pour ne pas avoir d'infiltration. Oui, parce que rénover un camping-car en hiver, c'est aussi parfois affronter les éléments. En ce qui concerne le démontage de la deuxième antenne, c'était beaucoup plus compliqué. Déjà parce qu'on n'avait aucune idée de quelle vis il fallait enlever pour enlever cette énorme parabole, et surtout parce que toutes les vis sans exception étaient rouillées. On a donc fait face à des vis cassées, sans tête, ou même qui tournaient dans le vide. Côté câblage, un coffrage dans un placard cachait la misère, mais après l'avoir retiré, on s'est rendu compte qu'il cachait des mètres de câbles qui partaient dans tous les sens. Autant dire que celui qui avait installé l'antenne était un bon bricoleur du dimanche. Après plusieurs heures, on est finalement arrivé à bout de cette antenne, mais on s'est dit que c'était mieux de garder cette fine plaque en fer sur laquelle elle était fixée, par peur de ce qu'on allait découvrir en dessous. Contrairement à l'autre antenne, le trou avait été très mal creusé et pas du tout droit. On a donc opté pour de la mousse expansive plutôt que du polystyrène pour le reboucher. Une fois tout ça terminé, j'ai appliqué un mastic pour carrosserie avec durcisseur sur les deux trous et une fois sec, il ne me restera plus qu'à poncer puis repeindre pour que l'on n'y voit que du feu. Et ça, ce sera quand il arrêtera de pleuvoir à la fin de l'hiver. Pendant que je suis en haut, j'en profite aussi pour prendre les mesures du toit du camping-car pour savoir quelle taille de panneau solaire on pourra installer le moment venu. Pendant ce temps-là, Terry était pas mal occupé à nettoyer les placards qu'il y a à l'intérieur du camping-car pour pouvoir commencer à ranger la vaisselle, etc. qu'on a déjà amené. Nous, on s'occupe surtout de l'extérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Après, il y a pas mal d'électricité aussi à faire à l'intérieur, notamment laissée par les antennes et d'autres choses qui avaient été rajoutées puis retirées. Enfin, il y a vraiment un gros travail électrique à refaire au propre. Ça va nous prendre pas mal de temps et après, il y a beaucoup de
joints, de peinture à refaire, de rouille aussi à retirer. Donc ça va être une des grosses parties du chantier avant qu'on puisse s'attaquer à la peinture, parce qu'on veut aussi essayer de repeindre un peu les placards pour essayer d'éclaircir un petit peu l'intérieur d'Ethan. Mais avant ça, on a des choses plus urgentes pour pouvoir partir et commencer des voyages avec Ethan, puisque pour le moment c'est beaucoup trop compliqué. On prendrait trop de risques en fait à ne pas réparer ces petites choses qui risquent de s'aggraver si on ne le fait pas tout de suite. Côté électricité donc, il y avait aussi pas mal de travail. On a commencé par installer une lampe à LED dans le placard. Il y avait une arrivée électrique qui alimentait probablement une ancienne lampe, mais qui n'avait jamais été remplacée par l'ancien propriétaire. On s'est donc simplement repiqué dessus, tout en conservant le système d'allumage qui était déjà présent. On s'est aussi occupé de remettre une lumière dans la cuisine, qui elle non plus n'avait jamais été réparée par l'ancien propriétaire. Voilà. Côté praticité, on a aussi décidé de remplacer l'interrupteur d'origine qui permettait de descendre et remonter le marchepied. Il commençait à être vraiment fatigué et il fallait être patient avant de réussir à le faire fonctionner. Ça peut paraître anodin, mais quand on voyage, c'est le genre de choses que l'on préfère voir marcher du premier coup pour ne pas perdre de temps. Vas-y. Regardez s'il y a du... Alors c'est vers le bas qu'on le met ? Ouais, vers le bas pour descendre. Yes ! Ça marche dans l'autre sens. Bravo, bravo. Yes. On a même changé un fusible. On a aussi rajouté plusieurs prises allume-cigare et USB pour pouvoir recharger nos téléphones et autres appareils un peu partout dans le camping-car. Et pour terminer, on a acheté et installé deux modules de sécurité. Bon, alors l'inconvénient de bosser en hiver, c'est qu'il fait vite nuit. Et donc on voit pas grand chose dans le camping-car, mais au moins on se rend compte de l'éclairage qu'il y a actuellement, et je pense qu'il va falloir qu'on rajoute des lumières un petit peu partout, parce que là c'est vraiment pas lumineux du tout. Comment ça se fait tard, et la dernière étape pour aujourd'hui, c'est d'installer des détecteurs de gaz propane et des détecteurs de monoxyde de carbone pour la sécurité, parce que c'est quand même un vieux camping-car et on n'est pas tout à fait sûr. Le détecteur de monoxyde de carbone se met en hauteur, en revanche le détecteur de gaz naturel propane se met en bas, parce que c'est des gaz lourds. Donc on a décidé de les mettre dans cette partie du camping-car. C'est deux détecteurs que j'ai achetés sur Amazon et qui sont alimentés par USB. Donc j'ai acheté de quoi transformer en fait du 12 volts en USB. J'ai mes deux petits câbles USB. On a quelques trous à passer, à percer pour pouvoir passer les câbles à travers le meuble. Et ensuite on va se pluguer sur la source électrique qui est en bas ici au niveau de la cuve d'eau pour relier nos deux détecteurs. Ça a été la journée ? Très bien. Je t'ai pas fait trop travailler ? Non, pas du tout. J'étais content. Moi, ça me plaît toujours, de toute façon. Il faudra que je vous présente Léo un jour, quand même, parce que vous savez même pas qui c'est. Mon cousin. C'est tout pour cette première vidéo sur notre aventure avec Ethan. Alors, comme vous vous en doutez, il y a encore beaucoup d'améliorations et de rénovations à faire sur notre camping-car. Mais le but de cette première étape de rénovation, c'était vraiment de pouvoir profiter d'Ethan et de pouvoir faire un premier voyage avec lui. Il faut aussi qu'on commence à voir comment voyager avec un bébé en camping-car, parce que c'est quand même une première pour nous. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir notre premier voyage en camping-car avec Ethan. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner puisqu'il y a encore beaucoup d'étapes de rénovation que je vous partagerai. N'oubliez pas le pouce également si ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.